Si toi aussi t'es en galère de crédit gros, va sur le site achetezfifacoins.fr et utilise mon coupon de réduction, lien dans la description. Wesh tout le monde, c'est Polo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ouais, j'avoue, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Non, je suis pas parti en vacances, je suis pas parti au bled, vous inquiétez pas, je suis resté toujours dans mon petit bled de Perpignan. D'un côté, tu vas me dire pourquoi je partirais en vacances, j'ai la mer à 5 minutes. C'est comme moi si je te disais, vas-y Zizou, fais-moi Dijon avec le ballon. Tu vois la question un peu débile. Passé récemment sous PS4. Parce que la Xbox One, elle est toujours là, mais je compte la revendre. J'en avais un petit peu marre, surtout de Twitch. Ça laguait à chaque fois. C'est pour ça, voilà ma raison pourquoi je suis passé sur PS4. Ça, j'avais un ancien compte PSN que j'ai pu retrouver, je ne sais pas comment. Voilà, à chaque fois, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu crées beaucoup de comptes et beaucoup de mots de passe, tu sais même plus lequel choisir. D'habitude, je mets toujours le même, mais là, ça voulait pas fonctionner. Toi, ça t'est arrivé déjà? Vas-y, mets dans le commentaire si ça t'est pas déjà arrivé de mettre toujours le même mot de passe, mais quand tu le mets, ça marche pas. Alors ça, j'ai rien compris. Et j'avais quelques crédits, à peu près 600 000 ou 700 000, et j'ai tout transféré sur mon nouveau compte. Voilà, et grâce à ça, je me suis fait une petite BBVA. Regardez ça. C'est une simple BBVA, hein. Il y a quelques boosts, 3 boosts, je crois, voilà. Regardez, on a Suarez, on a Neymar, on a Vela. Bale, impossible de le trouver sur PS. Et voilà les prix qu'il y a sur PS aussi. Ça m'a un peu choqué. Comment les prix sur PS, comment ils étaient chers sur Xbox. Franchement, les prix, ça va. C'est vrai, pour acheter un compte, c'est un peu cher. Mais les prix, c'était abordable. Tandis que sur PS4, mais il faut mettre une paye ou quoi. C'est impossible. Il faut mettre un SMIC pour acheter un joueur. Après, on a Rakitic, on a Sergio Busquets boost, on a Iniesta, on a Jérémy Mathieu en boost, Jordi Alba, Ramos, Dani Alves et Alves. Pas Alves Diego, hein, c'est le... Tu vois ce que je veux dire là. Carvajal, Rodriguez, Marcelo, Benzema, Isco, Pepe, Samuel, je sais pas pourquoi il s'est incrusté lui, vas-y. Bah ouais, j'avais pas assez de joueurs, j'en ai pas acheté d'autres. Bon, c'est pas grave, il s'est incrusté. Laissons-le, on s'en bat les couilles. Voilà, vous avez vu ma petite équipe. Normal, elle est basique. Mais franchement, elle est très très compétitive. J'ai pu faire quelques matchs. Regardez, je suis en division 8 déjà. Ouais, j'ai commencé avant vous, je sais, ça se fait pas. Mais j'ai voulu tester, tu vois, avant de faire la vidéo, j'ai pas voulu me rendre ridicule devant vous, tu vois ce que je veux dire. Certains vont me dire, t'inquiète, Polo, on connaît ton niveau, t'es the best. Arrêtez, là, je sais, je me lance des fleurs, faut que j'arrête. Bah voilà, je suis en division 8, regardez, j'ai fait qu'un match, je l'ai gagné. J'ai 17 victoires, 0 nul, 2 défaites, pour l'instant, je suis bien parti. Allez, let's go, on va lancer une game. Alors, il nous a trouvé un adversaire. Ok, ça commence bien, il a quitté ma partie, il a vu mon nom, il a eu peur, il a quitté direct. On va rechercher un deuxième, c'est parti. Enfin, il m'a trouvé un nouveau joueur. Est-ce qu'il va accepter? Ok, tu joues en jaune, tu joues en vert. Vas-y, il faut se décider, gars, hein, ça. Ça, c'est le mec qui est passé, tu vois, il est pas sûr de lui, quoi, tu vois. C'est comme avec une meuf, il est pas sûr. Est-ce qu'il va l'appeler? Est-ce qu'il va l'inviter au resto? Il sait pas, tu vois, il hésite, il sait pas. Alors, son équipe, une petite Bundesliga. On va dire, pourquoi je dis à chaque fois une petite? C'est une grosse Bundesliga avec Lewandowski, Ramos. Ah, il y a Toni Kroos, je sais pas ce qu'il fait là-dedans. Ouais, parce qu'il est allemand. Goetze, Lahm, Pischneck, Hummels. Voilà quoi, l'équipe basique de Bundesliga. Allez, c'est parti, on se retrouve pour les meilleurs moments de la partie. C'est parti, let's go. La tête de Jérémy Mathieu. Ouh, ça passe tout près. Bien, Mathieu. Oh là là. Ah mais vous êtes con sérieux. Bien joué Mathieu, il est en forme Mathieu. Allez Suarez. Oh là là, tu l'as vu pour Iniesta, il va enrouler. Et voilà, premier but, tranquillement, 1-0 de but de Andrés Iniesta à la 13e minute. Voilà, hop. Vas-y, on fait tourner. Oh comment ça joue bien. Oh comment ça joue. Oh. Comment ça joue mal, oui. Allez, prends le. Oh là là, je sais pas qui l'a fait, merci. Je te remercie, hein. Déjà t'es mené 1-0 et tu me donnes le ballon. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Iniesta. Iniesta. Il tire du gauche. Oh là 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 là. Quel festival d'Iniesta. Oh là là. Oh là là là. Une de parfait pour Suarez. Iniesta. Iniesta. Le petit râteau. Le petit râteau. Il va tirer. Je lui ai dit de tirer mais il veut pas tirer. Je comprends pas. Tu l'as de la tête Ramos. Allez Suarez. Allez, Suarez. Oh
Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh, oh le but de Suarez, mon gars! Eh oui! Luis Suarez! FC Barcelone! Visca Barça, mon gars! Ça va être bientôt la mi-temps. Ça, c'est le tir du désespoir. Ça, c'est un tir du désespoir. Première mi-temps finie. On va voir ça. Je crois qu'on domine. Ouais, on domine. On a 62%. On a fait 9 tirs 6 cadrés. Il a fait qu'un tir 0 cadré. C'était son tir de désespoir. Hein. Je sais même pas pourquoi il tire. Est-ce qu'il va rage-quitte? Est-ce qu'il va rage-quitte? Arrête, Polo, de chanter parce que t'es ridicule. Ney. Oh là là, oh là là. Oh, il tombe tout seul. Il tombe tout seul, l'âme. Eh ouais, t'es fragile, mon gars. Oh là là. Ah, monsieur l'arbitre, ah oui, c'est de l'anti-jeu, ça, mais mettez un carton rouge, au moins. Mettez un carton rouge à Hummels, putain. Mais il met un carton jaune, mais bouffe-la ta biscotte, putain. Mais nous, on voulait un rouge, putain. Non, tu vois, j'aime pas ça, les joueurs comme ça, franchement. Regarde, tu mets tout le monde dans le vent. Tu t'entraînes. Neymar, il a violé tout le monde. Mais non, il y a toujours un connard qui est obligé de tacler, exprès, pour pas que tu marques. Mais c'est pas grave, on a quand même penalty. Suarez, il va le mettre. Et moi, je vous dis, il va la mettre à gauche. Regardez bien. En force. Applique-toi, Suarez. Et voilà. Je vous l'avais dit. En force. Nainé. Qu'est-ce qu'il essaye de contrôler le ballon? Il est à un mètre du ballon. Pourquoi il essaye de le contrôler? Va chercher le ballon, Nainé. Ça, c'est comme je te disais au début de la vidéo. Le mec, il est indécis. Il sait pas ce qu'il doit faire avec une meuf. Genre, est-ce qu'il choisit de l'appeler? Est-ce qu'il va sortir avec elle? Ouh. Et il a... Mais sérieux, ça y est. Je me relâche un petit peu, le mec il me met un but. Le petit triangle pour Luis Suarez qui frappe. Putain le poteau. Eh j'y ai cru. Oh putain j'ai, franchement j'y ai cru dedans. Toi ça t'est jamais arrivé, tu crois que tu vas marquer. Tu te lèves de la chaise pour le célébrer. Mais en fait t'as pas marqué. Là t'es dégoûté. Oh là là il a décidé de faire un tout droit tout seul. Tout droit. Mais non. Oh. Tu l'as vu partir à Suarez. Tu l'as vu partir Suarez. Vas-y Suarez. Allume-le. Damn. Putain. Non, lui, au lieu d'allumer dans les cages, non, il allume le poteau. Non, pas le poteau, pas ses potes, hein. Le poteau. Tu l'as. Allez, vas-y Suarez. Tu l'as Suarez. Voilà. Envoie. Voilà. Putain, je t'avais dit que j'allais marquer. Quand je commence à déconner avec vous ou quoi, bah là, ça y est, c'est parti. Les mecs, ils s'enflamment là, tu vois. Vas-y, Ney. Vas-y, faut qu'on lui plante un dernier là. Vas-y. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, Ney. Oh là là. Voilà, je t'avais dit, Ney. Je t'avais dit. 5-2. Regarde-moi ça. Regarde le festival de Ney. Oh là 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 là. Dans le petit filet. Oh là là, ça c'est le tir du désespoir. Ça c'est le tir du désespoir. Et c'est là que je dis ça, il me marque un but. Oh putain, je serais dégoûté. Franchement, je casse la manette direct. Et voilà, le match il est fini. On a gagné 5-2. Il y a eu un petit moment, il a failli nous rattraper là, à 3-2. Mais bon, quand la machine elle est lancée, quand j'ai commencé à être plus sérieux dans le match, là ça y est, c'est parti. Polo, on l'arrête plus. On gagne 5-2. On a fait 18 tirs, 12 cadrés. Là, on a eu 58% de possession. Il a fait que 5 tirs, 3 cadrés. Il a fait quelques tirs du désespoir. Je pense que même à un moment donné, je crois qu'il y a cru aussi me rattraper. Il y a cru. Et moi aussi, j'y ai cru. Et toi aussi, tu as cru. Mais non, Polo, tu l'auras pas comme ça, Polo. Quand Polo il se met à jouer, Polo, on l'arrête plus, gars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour mon retour, n'hésitez pas à bombarder de likes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si la vidéo t'a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Peace. Now watch me whip. Kill it. Now watch me nene. Okay. Now watch me whip. Whip. Watch me nene. Why me do it? Now watch me whip. Kill it. Watch me.